ça va, c'est pas trop caniculaire. Donc dans un premier temps c'est bien pour se mettre en route. Et après ça va monter en pression au niveau de la température et de l'engagement. Quels sont les critères pour gagner? C'est pas moi qui vais décider. Non, perdu. T'as, on voit le fan de Ronaldo. Non, c'est celui qui sera le plus fair play, le plus sympa, qui fera des passes, qui jouera collectif, qui ne criera pas sur l'arbitre. Du plaisir, pas de stress et voilà. Après c'est une belle expérience à vivre et voilà, super. Pourtant, 1-0 à la fin, moi j'ai eu peur de la remontada hein, sur la fin. Hein. Ils ont des chasubles qui leur arrivent aux chevilles, c'est bon pour nous. C'est quand même génial de se dire que le mec se fait engueuler parce qu'il se replace mal et c'est pour ça qu'il marque un but. Là je dis bravo. Go, go, go! Donc Antoine, pour les pénalties, il a un truc à te donner, tu verras, tu pourras plus les rater. Alors Antoine, il faudra que tu lui apprennes à faire des parades, tu lui montreras comment fait Yano Black, hein, ton gardien, pour faire des parades avec une seule main. Parce que maintenant, il joue avec un bras en écharpe. Hein. Un petit mot pour Griezmann, ah oui. Déjà, parce qu'il va t'attendre. Ah ouais, parce que là, il va t'attendre Antoine. Hein. Ah, donc ça a été un plaisir pour nous de venir représenter Sport 2000 ici à Mâcon, et voilà. On perd aux pénalties, c'est comme ça, c'est le football. Mais ils ont pris énormément de plaisir à ce dernier tournoi d'Antoine Griezmann. Donc là, on a eu des équipes de Sport 2000 hier. Les équipes U9, U9, U13. U11 aujourd'hui, invité par Sport 2000. Moi, ce que j'ai adoré dans toutes les équipes de Sport 2000, c'est le comportement. Voilà. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'esprit du jeu, vous avez des éducateurs et des manières qui sont vraiment compétents là-dessus. Continuez à bosser, écoutez les conseils de vos coachs, je vous dirai dans le meilleur des meilleurs. Et là, il n'y a pas faute là. Non, là, l'arbitre est derrière. Non, bon, allez, j'en attrape un, je tape dessus avec l'autre.